Bonjour à tous, c'est Oracle 90, on se retrouve pour la suite de The Division 2. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alors donc en off, c'est-à-dire ce matin, j'ai fait les deux points de... Je pense que c'est là à peu près, les deux points de contrôle. Ça a été rapide, hein, honnêtement, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus durs. Alors, niveau récompense, c'est de la merde, ils m'ont proposé des trucs vraiment à chier. J'ai dû les revendre. Parce que c'était vraiment pas possible. C'était pas possible, c'était vraiment de la merde. Alors, tac. Ah, ça c'est gentil ça. Pourquoi ma soeur peut pas se taire et mettre de la musique à la place? Hein? Pimpin. Ok, hop. C'est dommage qu'on peut que porter que trois armes, honnêtement. Ouais, pas trop précis, hein. Là, manque un. Voilà. Voilà, maintenant c'est propre. Bon, pas terrible hein, les fusils mitrailleurs. Les fusils mitrailleurs, c'est mieux qu'on c'est à bout portant. Mais bon, après ça, c'est mon avis perso. Hop. 2 secondes. Hein. Oh merde. Oh, j'ai perdu un follower. C'est nul. C'est pas grave. De toute façon, avec l'article 13 là, ça merde après. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était pas non plus oufissime, mais bon. Voilà, je fais toujours attention là pour les records et tout, parce que honnêtement, ça me saoule en fait. Patrouille pour des empêcher agents. les Troussons d'utiliser le métro pour transporter des armes chimiques. Donc commencez par neutraliser les trains opérationnels que vous croisez. On peut pas les laisser distribuer toutes ces munitions. On a vu ce qu'ils ont fait au château.
Là, c'est pas du tout le bon endroit. Merde. Signe vitaux critique. Merde, je me replie. Putain, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ça? Ah merde, j'avais pris le fusil. Putain, c'était pas le fusil que je voulais. Ok. Non, laisse-moi voir, il n'y a pas des trucs intéressants ici. Il faut que tu charges ces munitions dans le train. En tant que sergent, je t'ordonne de déplacer ces obus. Pas question qu'on touche à ça. Obéis, soldat. Fais un rapport à Winston. Ramasse ces obus tout de suite. On a un horaire à respecter. Merde, il vient d'où? Il vient d'en bas en fait. C'est peut-être un piège.
Il y en a qui s'approchent pas si. J'engage l'ennemi sur le flanc. Train opérationnel détecté. Agent, trouvez-moi un moyen de saboter ce train. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs intéressants? Ah, ça, c'est vachement mieux. Attends, fais voir. Ok, why not. Comment je peux saboter le train? On a peut-être un visuel sur Wilson, près de l'entrée principale de la galerie marchande. Il faut absolument éliminer cette petite ordure. Il n'y a aucune route directe depuis votre position. Vous allez devoir traverser l'hôtel pour accéder à la galerie. Putain, on s'est pris la décharge dans la gueule. Enfin, la décharge, l'explosion. Faut les mettre en sécurité. L'explosion dans la gueule. Le site du métro est compromis. Bah alors, trouve un autre endroit. Alors, petite merde, vous êtes où? Y'a rien ici, putain. Elle s'est repartie. Ah merde. Le problème c'est que en fait t'as deux flancs à regarder. Ok, le jeu commence à bugger. La
Putain, ça m'a coûté cher. Hein. En termes de munitions, ça m'a coûté trop cher. Ok. Peut-être récupérer autre chose, non? Ok. Bon, il me reste toujours le drone. Ça va peut-être faire l'affaire, je pense. Moi, je t'ai pas vu, toi. Il y a l'ascenseur qui doit mener à la galerie marchande. Wilson est toujours près de l'entrée, avec une équipe d'opérateurs de mortiers. C'est probablement les salopards qui ont bombardé le château. Ok, on va se les faire, ces petits bâtards. Comme récupérer un petit peu de munitions. 40, c'est pas grand chose, vous allez me dire, mais quand vous êtes en PLS, chaque balle est vital. Forces ennemies en approche. Bizarre, c'est un bar, comment il fait pour sortir le... Bon, pas trop, pas la peine de se forcer, je pense. Ah non, il faut descendre. D'accord. Toxine DC-62 détectée. Niveau de contamination létal. Ah, létal, dangereux. Les taux relevés sont extrêmes. Il y a sûrement un labo pas loin pour en faire des munitions. Je compte sur vous pour mettre tout ça hors d'état de nuire. On va faire ça, on va faire ça, chef. Thank you.
Putain. Putain, on est grave en PLS, hein, c'est ouf. Alors, ils sont où la caisse de munitions? Mais tiens, fais chier. C'est terrible. Excellent. Quand vous aurez sécurisé le site, j'enverrai une équipe pour démanteler le reste de ce merdier.
Ok. J'ai eu du mouvement. On va les laisser venir. Putain de salopard. Allez, Wilson, viens là. Putain.
mobilisation. Merde. Ne laissez pas Wilson s'enfuir. Est hors d'état de nuire et vous avez saboté l'opération de garde chimique d'Edmonton. En plus, Kelso vient de faire son rapport et confirme que les survivants du château sont arrivés sains et saufs dans la communauté du théâtre. Ça changera rien, mais au moins, on est sûr que ça n'arrivera jamais à personne d'autre. Ben voilà, on a bien géré. Alors, c'est quoi ça? Ils sont contaminés. Hey! C'est bizarre, Manny. J'ai comme l'impression qu'ils ont peur. Tu trouves pas? T'as un point de contrôle? Alors, fait qu'il y a des trucs bien. C'est quoi? Coup critique par dégâts. Moi, ce que je veux, c'est un fusil mitrailleur. Non, non.
pense que celui-là est vachement plus intéressant. Ouais, et niveau équipement, non. Ces fusils de précision, ça pue. Ok. Donc ça, c'est bon, on va retourner à la Maison Blanche. Honnêtement, si on était genre 4, on aurait terminé, mais 4 fois plus rapidement en fait. On les aurait tous défoncés. Donc là, je vois, on a environ encore 3-4 secteurs à faire aussi. Voilà. Important d'avoir des bonnes choses. Hey, vous! Sert à quoi? Aveugle les ennemis survolés. Oh. C'est pas du tout intéressant, perso. La ruche. Oh. Laissez-moi devenir votre fournisseur officiel. Alors, qu'est-ce que t'as comme intéressant? Comparer. Ça, c'est du bon matos. Ouais, mais ça c'est un fusil, Merci ça de votre m'intéresse pas confiance. ça. Pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Alors ça me sera bien utile. Par ici, vous m'entendez? Non, je suis C'est de ça occupé que là. j'avais besoin. Non. On va aller au théâtre. Ah putain, casse trop les couilles les mecs. Pouh. Qu'est-ce que tu proposes, Toujours un toi? plaisir de vous voir. Merci pour vos achats. J'aime bien traiter avec vous. Tu m'étonnes. Je suis content. Tu m'étonnes. Tac. Avant que d'autres trucs en revanche. Ça, je vais les garder pour le plus tard en fait.
sera pour plus tard. Tiens, salut. Hey, par ici, agent. C'est qui me parle? On a amélioré la configuration des panneaux solaires. La production a augmenté. Salut et on vous. Peut maintenant allumer. Je m'appelle Charles Douglas. Je suis là pour superviser le stand de tir qu'ils ont installé au sous-sol de la Maison Blanche. J'ai hâte de travailler avec vous, agent. Ok. Je crois qu'il y a encore d'autres trucs que je dois faire ici. Garde qui est là. Ils ont aucun respect pour le. Terrasse sur le toit est officiellement ouverte. C'est notre plus grand espace partagé. Parfait pour toute la communauté. Ça, c'est cool, ça. En revanche... Qu'est-ce que c'est? Attends, il m'a semblé que je dois faire un truc ici. J'ai comme l'impression... Là, je peux pas y aller. Pour la division. Trop. Ou bien, je me fais ça. J'ai comme l'impression qu'ils ont peur. Tu trouves pas? Un point de contrôle? C'est un bureau, pas un train fantôme. Ouais. En tout cas, les hyènes ont l'air d'éviter de s'en approcher. Bon allez, je suis en route. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Bon, je verrai ça une autre fois, je pense. Donc toute cette partie elle est à nous. Putain, c'est par là. C'est quoi ça? Ah, champ de tir. Ah ouais, mais ça m'intéresse pas. C'est ça, ressemble à la Maison Blanche. Je crois pas trop. Attends, là c'est niveau 15. Je peux y aller? C'est entre 15 et 18, ça va être chaud. Hein. Ça, eux, je les connais pas. Bande d'ordures. T'as la merde qu'il y avait.
Ah merde. Ah merde, en bas. Mec. Ah, c'était pas top. Il n'y avait plus de tourelle. Je pense que là c'est bien plus chaud en fait. Les mecs, j'ai du mal à les tuer. Donc là on va se concentrer sur le refuge. Mec, personne me protège, bordel. Putain, ils sont cons, ces cons.
Ouais, je m'en fous, je me concentre uniquement sur, sur le refuge. Il faut que je le débloque. On est plus très loin, vite, vite, vite. Putain, il y a des ennemis partout. Ah merde. L'agent est blessé. Putain, les mecs sont hyper chauds. Rien à voir avec que. Rien à voir par rapport aux autres. Encore. Là c'est bon, comment on va faire pour passer? Eh hey, salut, je suis ravi de voir un autre agent dans le coin. Oh, c'est une cinématique. Refuge du campus.
Ça c'est plutôt pas mal, ça me parle ça. On est sur le point de craquer. C'est dur de motiver les hommes à se battre pour survivre quand il n'y a pas grand-chose à espérer. Content de vous voir, Henry Hayes. Bon, écoutez, Henry, je compatis. Mais nous aussi, on a des problèmes, et ce sont de gros problèmes. On peut peut-être vous aider. Vous avez besoin d'hommes. Mais... vous dites tout le temps que vous pouvez pas en prêter. Pas pour le moment, mais si vous pouvez nous soulager d'une partie de la pression. On fait déjà notre maximum, vous savez. Vraiment. Parce que derrière ces murs, c'est le chaos total. Si on baisse notre garde ne serait-ce qu'une seconde, c'est fini. Tout est fini. Quoi que vous fassiez sur le terrain, ça ne change rien à nos vies ici. Bon, shérif. J'espère que vous avez du temps devant vous. C'est si gentiment de me demander. Putain, j'ai 4 missions principales. Ok. D'accord. Semi-remorque contre le hall d'entrée. Apparemment, l'entrée sur le côté est votre seule option. L'endroit. Ah, j'ai droit à juste à une petite portion. T'es prêt? Ouais. Ça va aller? J'espère seulement que j'aurai aucun symptôme visible avant de passer les portes. Tu sais où on t'envoie? Au campus. Je veux que tu... Ok, il y avait des trucs qu'il n'y avait pas avant. Là, c'est au niveau 20, c'est mort. D'accord, il y a pas mal de choses ici à faire. Ouais, mais ça a l'air chaud parce que c'est niveau 16. Le bâtiment est défoncé. Vas-y, super. On va essayer de faire ce point de contrôle et après on va s'arrêter là. Parce que ça paraît un petit peu chaud là. Je suis encore au niveau 15. Alors que j'ai fait quasiment tout, toutes les missions, que ce soit annexe ou privée et tout. Ou principal. Là c'est quand même trop pour moi. Snipe. La seule arme que j'arrive pas à utiliser quoi. Ok, il y a des enculés en face.
pourquoi ils viennent pas. Blindé détecté. Je t'aide encore un petit peu là.
l'accès à la réserve déverrouillé. Dispositif électronique portable détecté. Putain, vous avez rien fait, les mecs. C'est terminé. N'oubliez pas, on est plus fort que tout le monde. Ouais, c'est pas grâce à vous, les gars. Hein. C'est moi qui a fait tout le boulot. N'oubliez pas. C'est quoi ça? J'ai fait comme tout récupérer, on verra. Ah, voilà, tout devienne. Alors, qu'est-ce que j'ai? A écrasé un semi-remorque contre le... C'est bizarre. Ce style détecté. Oh putain, ça fait beaucoup là quand même. Mais merde, mon armure tombe en pièces. Clé d'accès détectée. Je
savais pas du tout qu'il pouvait passer par là. Oh merde, putain. Bon, c'est pas terrible. Point de contrôle allié à proximité. Ah non, c'est fini. Pas en fait. Ok, c'est un petit peu chelou leur truc. Il y a des yens ici. C'est ton roi. C'est quoi là? Putain. Le bâtiment est défoncé, quelqu'un a écrasé un peu. C'est le faire, c'est con.
Oh non, pas maintenant! Mais si, mais si. Merde, ils sont juste en face. Progression interrompue. Attends. De la progression. Passage en manuel requis. Clé d'accès détecté. Il en manque un. Ouais, toi. Reprise de la progression. Juste en face. Bah voilà. Si vous avez besoin d'aide, venez au théâtre. A écrasé un semi-remorque contre le haut d'entrée. Point de contrôle allié détecté. Putain, ils durent pas assez longtemps les drones, non? Avant de récupérer le colis volé par les hyènes dans Air Force One, vous allez avoir besoin des codes d'accès pour entrer dans la chambre forte. Ouais, mais je ferai pas ça là maintenant. La personne en poste dans l'ancien bureau du directeur dispose d'une clé de chiffrement. Elle vous donnera accès à la chambre forte. Ouais, mais c'est pas pour maintenant. Désolé. Quoi?
j'étais même pas prêt, ils m'ont attaqué par derrière, c'est lâche. C'est vraiment des gros bâtards les mecs. Hein. Santé de l'otage critique. L'otage est mort. Ah merde. Ah, ça fait chier. Bon, les gens, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Putain, ils sont où les donneurs de mission là? Agent, on a eu un appel de détresse d'une communauté près du département du Trésor. C'est plutôt grave, elle est attaquée par les parias. Il faut l'aider. Vous pouvez faire quelque chose? Eh, hey, bonjour. Quoi, y a que toi? Vous voulez ce qu'il y a de mieux? Une nouveauté de la communauté. Revenons aux impôts. Ça me servira. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ravi qu'on ait pu s'entendre. Tu parles. Ok. Le bâtiment est défoncé. Quelqu'un a écrasé un semi-remorque contre le hall d'entrée. Quelle est la situation? Ici Sean, de la communauté établie près du département du Trésor. Les parias ont encerclé notre refuge et ils nous lâchent pas. Tenez bon,